Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de vacances, un petit vlog avec son mail de photos, etc. Bref, c'est un vlog un petit peu pas comme les autres, dans lequel j'ai profité des vacances avec un ami et sa copine autour de la Savoie. Donc on s'est posé vers Annecy, et puis on a profité du lac, de la ville, de ses environs, et bien aussi de la Suisse. On est parti à Genève aussi pour une journée, et également de la montagne avec Chamonix. Donc cette vidéo, c'est un peu aussi pour vous partager un petit peu mes petites vacances que j'ai fait ce mois de septembre pour me reposer. Je reviens donc en pleine forme pour les vidéos classiques et d'autres projets très intéressants. Bref, je vous laisse avec cette vidéo du coup qui sort un petit peu de d'habitude. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos très très vite. Alors, comment se sont passées mes vacances? Tout simplement, on a commencé par aller du coup de Sens, où je récupérais mes amis, jusqu'à Annecy. On arrive à Annecy, un temps magnifique, avec des paysages sublimes au passage sur la route. Et on arrive dans cet appart absolument incroyable avec une vue sur Annecy. On est à 10 minutes du centre-ville, on est au calme avec les oiseaux, le soleil qui tape dessus sur la terrasse. En vrai, c'était génial de fou. Et on s'était dit, on va avoir un super temps, on va pouvoir profiter de la terrasse. Et ben, premier jour, hop, temps de merde. Il pleut, il fait froid, c'est venteux. Et du coup, on se décide à trouver une activité autre que de la visite. Et donc, on commence ce premier jour par un escape game. Et ça s'appelle Les Mystères du Lac. Cet escape game est situé du coup en plein cœur du centre-ville d'Annecy. Et dedans, vous pouvez faire 4 escape games. Et nous, on a choisi l'enquête du Lys Noir. On est dans la peau de policier et le but est d'enquêter sur une affaire de meurtre, identifier et replacer les éléments de mobile, d'alibi, etc., etc. Tout en fouillant comme dans un escape game classique. Et à la fin, on doit du coup donner d'autres conclusions de l'enquête. Et il s'avère que on s'est planté du coup deux coupables et en plus on a mis au lieu d'une heure, une heure et demie pour finir ce game. Mais il était vraiment super et les équipes du Mystère du Lac franchement sont géniales. Donc on a passé un super moment. Après cet escape game et cette première demi-journée occupée malgré la pluie, eh bien le lendemain le temps était un peu plus clément et donc on s'est décidé à aller visiter le château et la vieille ville d'Annecy. Château où on a pu visiter un musée. Musée qui a été aménagé dans ce château sur l'histoire de la Savoie avec des peintures de différents siècles autour de la culture savoyarde ainsi que des éléments de mobilier du savoyard, du montagnard j'ai envie de dire, avec des meubles comme vous pouvez voir ici absolument massifs et gigantesques ou encore des éléments de mobilier traditionnels du coup de montagnard du siècle dernier pour montrer un petit peu comment ils vivaient à cette époque-là. Après cette partie sur l'histoire de la Savoie, on tombe sur une partie un peu plus moderne, expo moderne, avec des peintures assez abstraites, des choses tout de même en rapport avec la montagne et la neige, qui était pas si mal que ça. Ça donne sujet à interprétation et on se laisse prendre au jeu de découvrir ces œuvres assez originales. Une fois ceci fait, on tombe après sur la suite de la visite avec une expo temporaire sur la civilisation précolombienne au Pérou. Je vous avoue que cette partie-là, c'était pas ma préférée, parce que, bon, le Pérou, c'est pas ce qu'on voulait voir, très clairement. Néanmoins, c'était quand même intéressant de voir 2-3 choses sur la culture précolombienne du Pérou, les vêtements, comment ils vivaient à l'époque avant que les colons arrivent. C'était plus ou moins intéressant, mais c'était pas ma partie préférée. Et puis, on a fini sur un autre musée dans le château, toujours, avec un musée sur le lac d'Annecy, sa région, avec, du coup, des infos sur la façon dont les gens vivaient à l'époque autour du lac d'Annecy, la culture de la pêche, la culture de la navigation, mais aussi des infos techniques sur le lac, la sédimentation du lac, comment le lac s'est formé, mais également sur la faune et la flore, notamment évidemment tout ce qui est poiscaille. Très très intéressant cette expo, surtout avec notamment les bateaux. Et vous verrez du coup, on a vu ce bateau en grand et en géant que vous avez pu voir sur ces photos de maquette qui s'appelle La Libellule. Vous verrez ça juste après. Une fois fait le château dans la matinée, on se dirige vers la vieille ville qui est littéralement juste en bas et le ventre se creuse, on a faim. Et on se trouve un petit resto et je me suis pris une escalope savoyarde avec du reblochon gratiné dessus. Ma que c'était bon, avec ces petites frites maison, on s'est régalé. Après avoir le ventre bien plein, on se décide donc à visiter un petit peu le canal d'Annecy, avec son île au milieu, ses touristes, sa foule,
moins nombreuses que l'été, dont je sais que les habitants locaux de là-bas s'en plaignent, puisque c'est quand même une ville assez touristique, Annecy. Et honnêtement, très beau canal. Je comprends pourquoi tout le monde y va, parce que c'est photogénique de fou. L'eau qui circule dans le canal, les fleurs, les commerces, les gens sont souriants, sont joyeux. Et une fois qu'on a franchi ce canal d'Annecy, eh bien, on s'est aperçu que, effectivement, les bateaux qu'on avait vus en maquette, eh ben, on les avait en visuel à l'embouchure du canal. Donc, vous voyez ces photos actuellement avec le Libellule. C'est un bateau restaurant de croisière. Et puis, on s'est dirigé tranquillement sur les berges du lac à se balader et à prendre de jolies photos parce que le temps le permettait et il faisait vraiment bon ce jour-là. Donc, on a passé un agréable moment à se flâner, en fait, tout simplement, l'après-midi à Annecy. Ayant vu ces bateaux de croisière, on se décide le lendemain à se taper une croisière sur le lac d'Annecy. Et quelle croisière, j'ai envie de vous dire. On se dirige vers la croisière en se disant, bah tiens, on a réservé pour le Libellule le bateau-restaurant absolument incroyable. Et non, en fait, la réservation était mauvaise ou on n'avait pas compris la réservation. Et on se dirige vers un bateau de croisière tout à fait classique. Et sur ce bateau de croisière, du coup, on se met sur le devant pour faire de belles photos. Mais le temps, il est un petit peu maussade. Hein. C'est des averses, c'est des coups de soleil et averses et coups de soleil. Et au moment pile où on démarre, on se prend une saucée, comme pas possible, qui se stabilise assez vite. Mais néanmoins, sur la première partie, on avait aussi du vent et on avait le vent d'eau. Donc c'était un peu froid, pas très agréable. Mais néanmoins, on a fait une bonne partie de la croisière avec le vent de dos. Et on a pu profiter des nombreux paysages qu'offrait le lac, avec des infos intéressantes sur les petites villes autour du lac. Et on a pu avoir la chance, parce qu'il a fait froid à ce moment-là, d'avoir de la neige sur un massif que l'on a pu observer pendant notre croisière. C'était vraiment très sympa, niveau paysage et tout, on en prenait plein la vue, honnêtement. Malgré le froid, malgré la pluie, malgré le soleil qui nous réchauffait de temps en temps. Et le retour, mais le retour! Ah là 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 là, changement de cap, on arrive au bout du lac, on tourne, on passe un petit château qui se situe à Douin, petite commune un peu loin d'Annecy, et on ira à Douin, vous verrez juste après, et on se tape un vent de malade, de la houle sur le lac comme pas possible, et évidemment, hein, moi j'ai été intelligent, je me mets du coup au centre du bateau, on reste devant, dehors, de manière à éviter toute la pluie, toutes les vagues et les remous de l'eau qui arrivent sur la proue. Mon pote, Darky, évidemment, lui reste sur la droite. Et il se prend une vague monumentale en pleine face. Vous le voyez ici, il est trempé aux os. Mais néanmoins, on a passé un bon moment tout de même sur la croisière, malgré le froid assez vénère vis-à-vis du vent. Après cette bonne journée en croisière, on rentre tranquillement chez nous et on se prépare pour le lendemain, à savoir réserver une location de vélo pour faire une moitié de lac, puisque physiquement on n'était pas prêt de une à faire le tour du lac et de deux on voulait pas non plus trop s'épuiser et juste profiter et se balader gentiment. On choisit donc la piste sur la rive gauche du lac qui démarre directement d'Annecy avec la piste cyclable, et donc depuis Annecy on parcourt la piste cyclable tranquillement avec pour étape aller voir de plus près le château de Douin qu'on avait vu juste la veille lors de la croisière. Donc on se balade, etc. Temps magnifique, vent toujours absolument infernal. Néanmoins, sur des marges, on est sur deux dos, donc ça va. Et donc on observe du coup les paysages avec un soleil absolument de plomb et incroyable qui me donne même presque chaud. Et on observe du coup la montagne qu'on avait vue dans la croisière, mais avec un meilleur temps. Et honnêtement, la montagne est absolument sublime avec la neige. Le lac, parlons-en du lac aussi. Un lac avec une eau absolument limpide, très claire. Là, je vous mets des photos actuellement aussi de quand on est arrivé à la location. On a profité aussi pour se balader à Sévrier. Hein. Là, on a loué la location pour voir un petit peu la ville là où on se situait. Et vraiment, vous voyez ces images, l'eau du lac est vraiment très claire, très limpide. C'est juste une petite folie. Donc, on fait le vélo, etc. Et puis, on arrive à notre étape à Douin avec une petite surprise. Un joli petit ponton où on a pu faire de superbes photos. Et en vrai, le cadre était absolument idyllique. On prend donc le chemin du retour et épuisé comme on était à la toute fin, surtout mes amis, eh bien, on rentre tranquillement chez nous.
Et on arrive à dimanche et on s'était dit que dimanche ce sera un jour beaucoup plus tranquille après quand même une bonne balade en vélo assez épuisante et on se décide à aller voir le film Beetlejuice et au passage moi je connaissais pas Beetlejuice donc mes amis m'ont fait découvrir le premier film qui datait des années 80 à la télé dans l'appart avant d'aller le voir au cinéma et j'ai passé un très bon moment en vrai, quelque chose d'assez horrifique sur le ton de l'humour que j'ai franchement bien apprécié. Je vous conseille d'aller voir le film, il doit être encore en salle au moment où sort cette vidéo. C'était une journée aussi au dimanche où il a fait extrêmement beau et un peu froid, mais pas de vent, etc. Donc journée tellement agréable qu'on a pu enfin profiter pour manger dehors et de se faire un petit barbecue des familles avant de se profiter pour faire une balade tranquille au niveau des gorges du Fier. Les gorges du Fier, c'est quoi? C'est environ à une demi-heure d'Annecy. Et en fait, le Fier, c'est une rivière qui prend sa source au Mont Charvin et qui défile au nord d'Annecy et qui, 30 minutes plus loin d'Annecy, va se transformer en torrent. Et ce torrent a creusé une gorge dans des falaises et c'est absolument magnifique à voir. Vous voyez les images actuellement. Ce site est en fait aménagé pour qu'on puisse marcher sur une passerelle et avoir une vue plongeante sur les gorges du Fier et évidemment sur tout le parcours. Une fois qu'on a franchi toutes les passerelles et la gorge qui est absolument sublime, on a des infos intéressantes sur les gorges du Fier qui ont été creusées par les pluies, par les torrents, etc. Et ça donne des formes et des structures très intéressantes avec des rochers qui s'effondrent, des trous dans les rochers avec l'érosion. Et vraiment, c'est un petit lieu que je vous conseille de visiter si vous allez à Annecy, je trouve vraiment l'endroit assez stylé. On passe à la semaine suivante et on s'était décidé à ne pas rester qu'à Annecy et on part le lundi, direction Genève. La veille, évidemment, je m'étais pris un petit peu de change en monnaie suisse, hein, quelques petits francs suisses. Et également, petite surprise, il me fallait que j'achète une vignette pour rouler sur les autoroutes suisses. Je ne le savais pas. Et heureusement que je suis tombé sur un lieu d'échange de monnaie et qui vendait les vignettes. Parce que sinon, on se prenait une amende et ce n'était pas les mêmes vacances. Donc, on arrive à Genève. Voilà, juste incroyable. On tombe sur des bus tram. Genre, c'est vraiment un bus tram. C'est la première fois que je vois ça. Ils ont des bus qui sont reliés en fait avec des sortes de câbles électriques comme pour les trams, mais ils sont sur roues. J'ai juste trouvé ça genre what the fuck. Et donc on arrive sur un parking, on voit ça et on se dirige vers le jet d'eau. Et on a bien fait parce que l'après-midi, ce jet d'eau était désactivé. Et on a pu faire de magnifiques photos comme vous pouvez le voir ici avec l'arc-en-ciel qui se reflétait avec le soleil, avec la brume et le vent qui soufflait sur le jet d'eau. Et je trouvais ça absolument incroyable à voir. À la base, ce jet d'eau, pour savoir, c'est un jet d'eau qui était utilisé pour réguler la pression du système d'eau potable, je crois, genevois. Et donc, depuis, en fait, ça a été régulé autrement. Et ça a été, du coup, conservé pour créer une attraction touristique avec ce magnifique jet d'eau qui monte jusqu'à, je crois, 140 mètres d'eau. Vraiment magnifique, avec en plus un port vraiment que je trouve sublime et des bateaux de croisière incroyables. On visite également le jardin anglais qui se situe pas très loin, avec la fameuse horloge fleurie de Genève, une horloge fleurie absolument sublime. Et on profitera dans la journée également pour prendre la grande roue que vous voyez en photo, pour avoir une meilleure vue de Genève également, et profiter un petit peu d'un petit tour de roue, hein. C'est bon enfant, et ça fait pas de mal. Mais avant de faire cette grande roue, on s'est aussi baladé dans la ville, on a visité la vieille ville de Genève, on a visité sa cathédrale, on a visité quelques petites rues, et on est même tombé sur les jardins de la fac de Genève, si je dis pas de bêtises, avec dans ce jardin, ça, on peut trouver des échecs grandeur nature, genre vraiment XXL, et on s'est tapé une petite game d'échecs, je suis très naze aux échecs, avec mon pote Darky, et il m'a complètement ramassé, hein, je suis nul sur ça, et il m'a complètement éclaté, voilà, tout simplement. Donc, petite surprise, vraiment très sympa, on est tombé aussi sur le théâtre de Genève et je crois que son hôtel de vie si je dis pas de bêtises avant de tranquillement retourner vers la berge et de prendre aussi un petit train qui faisait la visite du bord du lac Léman, voilà, pour visiter un petit peu le lac et voir un petit peu d'autres éléments et avoir d'autres infos sur Genève et ses alentours. On a appris justement qu'il y avait le siège de l'ONU là-bas et d'autres bâtiments assez historiques et de renommée internationale à Genève. Et évidemment, on a profité aussi pour flâner dans les commerces de Genève avec, évidemment, vous pouvez ne pas partir de Genève sans ça, avec des magnifiques chocolats suisses. Voilà, on s'est acheté quelques petits chocolats suisses et notamment des chocolats suisses d'artisans. Voilà, on a payé un petit billet, on a pris également des souvenirs, mais on s'est fait vraiment plaisir à Genève et pour moi, c'était l'une, malgré le vent,
des meilleures journées de ces vacances, je trouve. Et après ces journées bien bien remplies où on a quand même beaucoup marché, on était quand même assez mort, on avait fait du vélo, on s'était un peu reposé le dimanche et on avait fait quand même une grosse visite de Genève, on s'était dit le lendemain, stop, on fait une pause, une grosse pause où on a rien foutu de la journée, on était des merdes en vrai, genre littéralement. Et on a juste traîné un petit peu sur le téléphone, profité un petit peu de la vue sur le lac. Moi, j'en ai profité pour me balader tranquillement le matin, pour faire une petite marche, très chill, très tranquille. Et on a profité aussi pour faire quelques petits jeux société, histoire de passer le temps. Et vient le 8e jour. Et le 8e jour, on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'on s'était dit que du coup, sur le dernier jour, vous verrez juste après, on ira à Chamonix. Et sur le 8e jour, la copine de mon ami, elle tombe sur un TikTok qui parle d'un jardin secret près d'Annecy, environ à une demi-heure. Et on se dit, en vrai, ça a l'air stylé. Pourquoi pas le visiter? Et on se dit aussi, bah en fait ça va peut-être pas nous tenir toute la journée et pourquoi pas se refaire un escape game, parce qu'on avait bien aimé les premiers escape games. On commence donc l'après-midi en se dirigeant vers ce petit jardin secret, et c'était une petite pépite cachée au milieu de la campagne savoyarde près d'Annecy. Et ce jardin secret, en fait, faut savoir que c'est anciennement une ferme qui a été transformée il y a dans les années 80 par un couple avec leur fille et leurs petits-enfants. Qui ont transformé du coup cette ferme en un véritable jardin reconnu dans les jardins de France, dans le patrimoine, etc., etc. La conception du jardin, ils l'ont faite de A à Z eux-mêmes. C'est eux qui allaient chercher les plantes, c'est eux qui ont confectionné le sol, c'est eux qui ont sculpté en terre cuite. Enfin, c'est pas vraiment en terre cuite, c'est une autre façon de faire qui évite le gel, tout ce qui est fontaine, tout ce qui est muret. Ils ont confectionné eux-mêmes aussi tout ce qui est structure métallique et ils ont aménagé eux-mêmes l'ancienne bâtisse savoyarde, cette ferme, pour en créer une sorte de reconstitution avec des thématiques. On avait par exemple des thématiques avec une chambre typiquement autrichienne ou une chambre typiquement de Provence. Et on avait aussi des thèmes sur les jardins. On avait des thèmes par exemple liés des jardins marocains, des jardins d'Inde. Voilà, avec carrément une piscine qu'ils ont aménagée avec des plantes à l'intérieur et tout. C'est vraiment un travail de titan. Qui ont accompli en presque 40 ans. Et je trouve le truc absolument incroyable. Vraiment, le lieu était vraiment stylé. Les plantes sont magnifiques, c'est entretenu de partout. Et c'est un petit lieu pas tant que ça connu. Donc c'était vraiment une petite pépite à visiter. Avec un joli temps en plus, on a pu profiter et flâner dans ce magnifique jardin. Qui d'ailleurs, vous avez vu sur les photos, est en expansion. Et continuent toujours d'agrandir leur jardin, de sculpter, de mettre toujours plus de sculptures et de plantes dans leur jardin en fonction de leur créativité et de leurs envies. Ils ont même créé leur propre verrière custom. C'est vraiment incroyable. Et ils ont créé tout leur business autour avec une petite boutique de souvenirs et de la vente de produits façonnés eux-mêmes, par exemple des beignets, etc., etc. Vraiment, c'est vraiment une bonne visite. Et donc, après ce jardin secret, on se rend à Annecy, on se dirige vers l'escape game. Et cette fois-ci, on choisit au mystère du lac, l'escape game sous-marin. Un escape game du coup un peu plus classique où on a mission, c'est tout simplement de suivre une mission dans laquelle on doit torpiller un navire ennemi en étant sous-marin. Et donc bien sûr, faut trouver les codes, activer certaines choses, détecter qui est ami, qui est ennemi, etc. Et mettre la torpille pour tirer sur le navire. Et on s'est amélioré, on a réussi cet escape en 1h15. Et enfin, pour finir en beauté ses vacances, je vous l'ai dit juste avant, on s'est décidé à visiter Chamonix. C'était pas prévu au programme de base, mais le locataire qui nous a accueillis nous a gentiment dit que Chamonix c'est vraiment à faire. Donc on s'est dit, allez go, on y va, direction Chamonix. On prend la route, environ une heure, et ce jour-là, je commence à tomber malade. Gorge irritée, nez encombré, oreille bouchée, mais je tenais absolument à y aller, donc je fais un effort et j'y vais. Donc on arrive à Chamonix, et là, la vue incroyable. Le Mont Blanc, l'aiguille du Midi, la ville qui est incroyable. Avec un soleil de plomb, on avait même limite chaud, on pensait avoir froid, on avait même limite chaud. On était dans une ambiance mais génialissime, avec, je trouve, une rue commerçante absolument sublime. Voilà, où on a pu flâner pour manger un petit morceau, parce qu'on arrivait vers 11h midi, et récupérer quelques souvenirs, etc., avec des boutiques vraiment très intéressantes. Avant de se diriger vers le train du Mont-en-Vert, la gare du Mont-en-Vert qui monte à 1800 mètres d'altitude. Et pourquoi on a pris ce train? Tout simplement pour avoir une vue incroyable sur ce qu'on appelle la mer de glace. Donc le train monte un dénivelé de 800 mètres à peu près, avec un système créé dès 1909 où on a des crantages sur un axe de roue au milieu du train qui permet du coup de grimper la côte, qui est quand même assez raide, dans ce train qui roule à peu près à 18 km/h pour arriver tranquillement avec une vue incroyable
sur la mer de glace. Mer de glace qui, forcément, en été un petit peu fondue, malheureusement, et qui se refait légèrement en hiver, et qui, malheureusement, fond de plus en plus d'année en année, qui a du mal à se reconstituer vis-à-vis du réchauffement climatique. Mais néanmoins, quand on est arrivé à la gare, la vue qu'on avait, genre, j'en revenais pas, et je pense qu'en vrai, c'était vraiment le moment parfait pour couver et finir ses vacances de manière optimale. Et on se prend du coup de plaisir à faire des photos évidemment de la mer de glace, et on se prend aussi de plaisir à utiliser une télécabine qui a été ouverte l'année dernière, et ça évite évidemment une rando assez compliquée pour descendre vers la mer de glace. Il nous propose du coup d'aller directement dans le glacier, puisque il y a une visite qui peut être faite dans le glacier. Ils ont creusé un tunnel de glace, et dans ce tunnel de glace on peut visiter du coup des sculptures, avoir des infos sur le glacier. Et c'est vraiment très très stylé, honnêtement, qu'ils aient créé une sorte de petit musée. Et c'était vraiment incroyable de visiter un tel musée créé dans la glace. Voilà. Et ce musée, en fait, il agrandit d'année en année. Il creuse à peu près 150 mètres tous les ans pour agrandir, faire des sculptures, etc. Donc c'était vraiment super sympa à visiter. Ça se fait, ça va faire au moins une fois dans sa vie. C'était vraiment très 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 stylé. Et puis bien sûr, après, une fois cette visite faite, et que assez courte néanmoins, puisque ça reste quand même juste quelques tunnels creusé dans la glace, il faut pas non plus trop dénaturer le glacier. On remonte tranquillement la télécabine, on reprend le train du Mont-en-Vert avant de repartir vers Chamonix pour reflâner dans les bouts, dans les rues, profiter du magnifique vue sur le Mont Blanc avec un soleil de plomb. Vraiment, on n'avait pas meilleur temps en vrai pour profiter de Chamonix et de ces derniers jours de vacances avant de tranquillement rentrer et quitter ce magnifique département qui est la Haute-Savoie. Et la Suisse, etc., etc. Bref, je suis encore nostalgique de ces vacances en Savoie, où on a pu profiter d'un super lac, d'une superbe ville, Genève, avoir un petit bout de Suisse pendant nos vacances et profiter de la montagne hard, entre guillemets, avec Chamonix. Vraiment des vacances inoubliables, où on s'est bien ressourcé, bien reposé, où on s'est bien dépensé aussi, mais des vacances qui seront gravées à jamais sur YouTube, dans nos têtes et en photo. Voilà pour ce petit vlog des vacances, je voulais quand même vous partager un petit peu mon plaisir que j'ai eu à voyager là-bas pendant le mois de septembre. Et puis nous, on se retrouve pour les vidéos classiques prochainement. Bye.